Bonjour, je m'appelle Guy Lagache, j'ai 40 ans, je suis journaliste depuis un peu plus de 15 ans, 16 ans, et depuis 3 ans, je suis responsable de l'émission Capital sur M6. Capital, il y a deux choses, c'est l'enquête et la façon de raconter une histoire, ce qui est très important. C'est aussi quelque chose que moi j'ai appris en Amérique, savoir structurer un récit, passer d'un point A à un point B à un point C pour que les gens comprennent, mais en même temps qu'il y ait du sens et donc du rythme. Et ce que je regarde, c'est la façon dont une histoire est racontée, si elle est complète, si l'enquête est bien menée et si l'histoire est bien racontée. Donc quand je regarde une émission, je regarde la qualité des sujets. Plus grave, les automobilistes trop pressés qui passent au rouge. Et oui, ça arrive souvent, c'est 4 points en moins. Et la deuxième chose que je regarde, c'est effectivement si qu'on a raconté était intéressant, et puis accessoirement, si moi j'étais pas trop décevant à l'antenne, mais c'est très difficile pour moi de me juger. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça va marcher? Pour éviter d'avoir la grosse tête et garder les pieds sur terre, il faut savoir pourquoi on fait ce boulot. Et moi je fais mon boulot parce que je m'intéresse à l'information et au journalisme. Donc je m'intéresse au contenu, et c'est ça qui prime. Tout de suite, secret d'actualité avec Laurent Delahousse, une émission consacrée à Paul Hufunzer, grandeur et décadence. Bonsoir. Derrière, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent. Éventuellement de refaire du reportage, éventuellement faire encore d'autres choses, créer d'autres émissions, voire éventuellement d'aller sur d'autres types de projets, peut-être éventuellement de la fiction. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il y a encore tellement de choses à découvrir en fait, je me pose pas tellement la question de savoir ce que je vais faire dans un an ou dans 10 ans.